13 pour un nouvel épisode de Tomb Raider, le cinquième je crois, et oh, et déjà directement on commence avec une inspection, pour le cinquième épisode il me semble, d'accord, avant, sur les objets qu'on avait trouvé avant, alors attendez, oui du coup je reviens sur ce qu'on avait déjà trouvé, on avait trouvé un truc avec une loupe, donc c'est à dire qu'il y a un truc à faire avec cette loupe, et une relique. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. Ok, donc ça on l'avait déjà vu. Et ça, est-ce qu'on l'avait vu? Non, c'est ça qu'on avait. C'est ça, on était bloqué. Donc ça, vu qu'il y a une loupe, à mon avis, c'est qu'il nous manque des infos. Mais genre, je vois pas de quelle info elle veut parler. Parce que genre... Et j'ai beau faire le tour du truc, mais on va faire le tour des trucs comme ça, là. Voilà. Voilà, donc là, il y a rien. Ouais, on va le mettre comme ça, bien droit, voilà. Il n'y a absolument aucune info. Bref, du coup, pour le cinquième épisode de Tomb Raider, la dernière fois, j'avais un peu augmenté le son au niveau du record. Maintenant, j'ai augmenté le son du jeu, donc on va voir un peu ce que ça donne. Et du coup, je sais pas si je me bats avec... Oula, mais je suis où, là? Ah oui, là, il y avait les gars. Ok, d'accord. Ouais, parce que la dernière fois, j'ai couru pour arriver ici. Et je vous avoue que ça fait du bien d'être... Enfin, en fait, quand on est parti du coup pour aller à la base... Je le vois pas. Ok. Ok. Allez, discrétion. Bouffe ça, enculé! Bouffe! Mais là-haut, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a le spot. Okay, allez, go. Il faudrait que je passe sans que le spot me grille, ça serait vraiment cool. Mais j'ai pas récupéré les loot des gens derrière. Allez, stop. Je suis greedy, mais la loot je prends. Ah mais attends, mais je crois qu'ils sont bons en fait le spot. Ok, nickel. Bon, on continue. Alors, là y'a quoi? Des flèches, mais j'en ai déjà beaucoup. Non, je suis désolé mon gars, t'es peut-être juste un mécanicien, mais t'es mort. Stop. En vrai, il faudrait que j'aille défoncer la vigie qui est là, genre. Le mec avait une flèche, il s'en bat les couilles, il a pris son tomahawk et tout. J'avais pas remarqué que t'avais un pote. Il y avait peut-être combien les gars? Bon, là on va partir au flingue là. Clairement, on va partir au flingue. Ah, attendez, stop. Je vais juste fouiller ces corps là, à mon avis, je les ai déjà fouillés. Je voulais juste regarder s'il y avait d'autres choses un peu à l'intérieur. Là il y a 3 flèches en plus. Là il y a. On a 70 balles. Putain la vache. Ah, je savais qu'il y avait d'autres choses. Tout checker un peu aux alentours. Ah mais ça on l'avait, ça c'est la même, nickel, ok. Alors. Il y a un géocache ou non? Ah non, c'est pour la torche. D'accord. Alors j'ai pas l'impression que je suis repéré parce que sinon j'aurais une déferlante de personnes qui vont me casser les couilles. Ah ouais, il y avait ça! Putain, j'ai bien fait de pas me faire repérer mon gars. Donc attends, il y a un autre connard avec un spot là-haut, non? Ah non, c'est juste un effet lumineux. Hus! Ok, on ramasse. J'ai pas l'impression qu'il reste des gens par contre. Hein. Et vraiment, un autre carquois, ce serait le must du must. Hein, parce que là, au niveau des armes, on est vraiment très très mal. Plus de matériaux, c'est cool. Et un géocache. Ah bah nickel. Et bah c'est très bien ça. Alors, des flèches là, on s'en branle. On monte là-haut, s'il vous plaît, les enfants. Et là-haut, il y a quoi? Bonsoir.
Attends quoi? Un bunker, Seconde Guerre mondiale. Où est-ce qu'elle a eu un bunker l'autre? C'est ça le bunker les gars? Faut revoir la définition du bunker. Hein. On s'en branle, on s'en branle, on s'en branle. Ça gêne. Tu souffres en silence, un peu merde! Oh, bonsoir, un livre. Ok, donc ça c'est le mec qui a vu justement qui est atterri du coup dans le truc et genre qui a vu Mathias et Mathias a tué genre tous ses potes s'ils n'ont pas suivi. Oulala, oulala, oulala. Et en parlant ça va faire du bruit ça non? Ok, et là je peux pas y aller, je suppose, non. Ok. Alors là-dedans, il n'y a rien à faire. Okay. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ok, alors attendez, parce que là, il y a beaucoup de gens qui vont arriver du coup. Ça, on ouvre. Ok, nickel. Ok, recharge, 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 recharge. On va y aller au gun. Hein. S'il faut, on rentre dedans, les gars. On arrête la discrétion, on rentre dedans. Hein. S'il y a besoin. Alors. Ah, là, je pourrais faire embraser ce truc. Il y avait du feu là-bas, non? Voilà. Là, il pleut, donc on va dire qu'on va pas passer par là. Ah, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hop, non, par ici. Par contre, pourquoi tu te tiens comme ça, Lara? Qu'est-ce que t'as envie d'aller chier? Tu peux nous en parler, hein? Brûle! Non-croyant. Oh là là. Non-croyant, mon gars. Nique sa mère! Je suis chez moi! Et le premier qui dira le contraire, je l'éclate. Ok. No one's lease. Putain, prends qu'il y a des bières de partout, mon gars. Personne ne part. Ok, ouais. Alors, appuie sur E pour ramasser. Oui, bien sûr. Oh, genre, je peux. Oh! Je suppose que c'est à ça que ça va servir. Ok. J'ai probablement fait exploser quelque chose. Deuxième service! En vrai, je sais pas à quoi ça me sert. Troisième service. Ah, faut que je pète la vitre. Mais pas celle-là. Ah, déjà, je peux brûler ça ou pas? Ah ouais, mais faire gaffe à moi, parce que sinon je vais crever. Ok, nickel. Mais, ah, attends, comment je pourrais atteindre la vitre par là comme ça hein? Faut que je pète quoi, mon gars? Ah, mais j'ai déjà commencé à la péter la vitre. Ok, qu'est-ce que je peux faire exploser les gars? Non. Oh merde. Ah mais ça je pourrais peut-être le faire exploser, non? Ouais, mais attends, 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 attends. Je cherche de quoi faire péter quelque chose. Ah
Ok, ça marche pas. Là c'est chelou. Ok. Pourquoi il marche pas? Putain. What? C'est quoi cet envoi? Mais attends, mais mec, faut que j'envoie ça où en fait? Ah. Idiot. Alors. Ouais, d'accord. Ok, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Ouais, ça marche mieux quand je fais ça, ouais. Ce mec a un gros problème. Ça marche, on en reparle après, mec, hein. Allez, salut. Tiens, tu veux pas venir ou pas? Vas-y, viens. Vas-y, viens. Tiens, c'est pour toi, calo. Alors, tu veux quoi, mon gars? Maintenant, je m'infiltre plus, hein. Je vous explique que maintenant, j'y vais en mode bourrin. Il est où, le mec? Il avait une arme sympa. Mais non, le mec avait une arme cool. Ah. Non, c'est pas toi. Non, il avait une arme cool. Il est où? Ah bah salut. Ouais voilà, moi je veux ça. Toi l'empreinte, hein. Tu m'en veux pas? Ta gueule. C'était tellement violent. Wow, là que ça avait envoyé des scientifiques. Donc ça c'est probablement des gens nazis. D'accord. Lieu forêt littoral après pour le prochain. Ok, d'accord. Ok. De toute façon, je pense aller récupérer les trucs parce que ça m'intéresse aussi pour moi personnellement. Les... Oh bah tiens, 1 sur 2 géocache. Mais non, mais moi je cherche le dernier géocache qu'il y avait. Oh bon, c'est pas grave. De toute façon, les géocaches aussi, je les referai plus tard. Brotherhood on the Sun. Mais du coup, là, attendez, on a quoi comme, comme arme? Parce que là, si je veux switch, je peux faire ça, je peux faire ça. Ok, donc j'ai l'arc. Le truc vénère. Ok, et j'ai. Ok, 69 balles, c'est bon. Oula, 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 oula. Non, attends, c'est moi ou vous aviez un lance-flamme, les gars? Ah non, vous avez juste des coups de molotov. Ok, stop. Alors, stop. Beaucoup plus simple. Bon, les mecs, je suis tout seul, hein. Lâche ça, lâche ça. Embrasse-toi. Ah, nickel. Et ben voilà! Simple, efficace. Et ben voilà, nickel. Hop là, allez, on loot. Voilà, c'est bon. Voilà, on rigole beaucoup. Nouveau camp découvert, salle des cartes. Oh, y a un camp là? Attends, j'ai pas vu. On va me dire où il est, mais j'y vais. Hein. Alors. Merci les gars, merci les gars. Ok, bah c'est pas mal, ils m'ont bien loot. Alors les projectiles dans la gueule, même moi ça me fait, ça m'énerve. Ah oui, il est là le feu de camp. Alors appuyez sur E pour ramasser, et là il n'y a rien d'autre à part le feu de camp. Eh ben nickel! Alors, on a un point de compétence qu'on va utiliser pour... Ah, castagneur, ça j'aimais déjà énormément. Subissez plus de dégâts lors des combats sans y laisser la peau. Utilisez la poussière et les cailloux pour aveugler les ennemis, ce qui rend invulnérable à vos attaques. Ok, et ça je peux pas. Donc on va d'abord prendre le soin, parce que le soin c'est assez agréable d'avoir ça. Voilà. Tolérance à la, enfin, tenace à la douleur. C'est peut-être le plus soft à faire. Oh, il fait jour dehors. Ok. Alors par là, ça m'a l'air de ne pas être la suite, donc on va y aller. Ah, une caisse. Mathias nous libérera.
C'est hyper glauque. Bah ouais, parce qu'à mon avis, ils ont l'air d'être là depuis un petit bout de temps. Ah, le dernier géocache. Oh là là. Bon, je sais pas encore à quoi ça sert, mais au moins je les ai. Voilà, y a pas de problème. Alors oui, à la base, je voulais juste aller au feu de camp, mais ça s'est transformé en mode je pète tout. Et vu qu'on va plus vite en sautant, bah écoutez, on va faire le jeu en sautant. Hein. Us, us. Aïe. Alors oui, parce que du coup, je voulais faire ça, moi. Équipement. Alors, toi. Toi, déjà un chargeur de grande capacité, c'est déjà acheté, voilà. Ensuite, cross, non. Et fenêtre d'éjection. Fenêtre d'éjection permet d'agrandir la cadence de tir. Ok, là-dedans on a quoi? L'arc, il est renforcé à 20%, parce que je peux pas l'améliorer en plus. Et lui, variable qui permet d'augmenter les dégâts, ça c'est pas mal ça. Requiert le canon aéré compensé. La compensation de recul permet d'améliorer les précisions et d'augmenter les dégâts. Permet un mode de tir alternatif de rafale. Ça, je m'en branle. Ça, en vrai, rafale, je m'en branle. Ce que je veux, c'est. Ah, tir rapide, c'est pas mal ça. De stitcher les améliorations, modifications du stitcher améliorent la cadence de tir. Pour le moment, je vais prendre le canon aéré compensé. Je préfère. Voilà. Comme ça, c'est plus violent. Et du coup c'est pas mal. Alors juste, est-ce qu'on a rechargé absolument tout? Normalement oui, mais je sais pas, on va checker jusqu'au bout. Et on peut donc continuer. Bon, et bah c'est pas mal ça, cette petite infiltration. C'était l'infiltration la plus nulle que j'ai jamais vue. Même moi j'ai pas fait un truc aussi scandaleux. Oh là là. Il est descendu, mec, a pris 2 balles. Bonjour, c'est la police. Ah, j'ai déjà vu cette scène, je crois. Il y a un levier. Le seul truc que tu vois. Qu'est-ce que je vois? Voilà, évidemment, tu l'actionnes. C'est complètement débile. Imagine, il y aurait une bombe nucléaire là-dessus, mon gars. Tu sais, il y avait marqué ne pas toucher en bas, mais vu qu'il y avait des feuilles, il a pas vu. Alex, tu es là? Oui. La console est fichue. Pourquoi t'es soufflé comme ça, Alex? Soit tu te fais poursuivre, soit t'étais en train de faire un truc avec Reyes, mon gars. Ok, ça a l'air plutôt faisable. Ouais, mais. Et il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Enfin, du genre. Tout en haut. Yes. Encore de l'escalade. Génial. J'adore ma vie. Alors, bon ça je m'en souvenais un peu. Par contre, j'aimerais juste avoir un meilleur carquois, parce que je vous avoue que ne pas me ressentir que 30 flèches, c'est un peu la merde. Je suis seul à présent. Les autres sont morts. Tant mieux. Depuis les falaises, j'ai vu leur embarcation de fortune malmenée par la tempête. Les nuages étaient comme une main au-dessus de l'eau, jouant aux marionnettes avec le bateau. Aucun d'entre eux n'a survécu. J'ai bien observé le ciel. La tempête était très localisée et incroyablement subite. Elle s'est arrêtée aussi vite qu'elle avait commencé. Mais surtout, j'ai senti qu'elle ne frappait pas au hasard. J'ai senti une intention, quelque chose de délibéré. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette île, pas encore. Mais si je veux partir un jour, je vais devoir comprendre ce phénomène. Je dois me mettre au travail. Ok, il est chelou, il est flippant. Le mec est là depuis 1982, donc ça fait 30 ans. Parce que le jeu il date de 2012-2013, je crois. Donc si on. Oh putain, c'est chaud. Ah yes! Le fanservice. Ouh. Tu veux la voir, ma petite chaudière? Je vais réparer la plomberie. Ah oh mon gars, le fan service quoi. J'espère que ça marchera plus que ça. Par contre, elle risque clairement de die, mon gars. Ah, va falloir taper là. Police! 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 Alors, par contre, évidemment, la grille d'aération, elle n'est pas absolument brûlante. Hein. Elle est soft.
C'est parce qu'elle passe d'un endroit où il fait 32. Il fait 30 degrés à un endroit où, genre, il en fait où il en fait moins 7. Et elle va super bien. Bon, et ben c'est pas mal. On est à combien de minutes de vidéo normalement? Vu qu'on a fait toute l'infiltration de la base, on devrait être bon. On est à combien? Là, 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 là. 20. Oh, on va continuer un peu. On est à 20. On va continuer un peu. Du coup, ça va, c'est-à-dire qu'on avance pas mal. Alors, bonsoir messieurs. On verra au camp. On va juste avancer un peu plus. C'est hyper casse-gueule comme truc. C'est génial, j'adore. Ah. Non, 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 tu me laisses tranquille, tu me laisses tranquille, tu me laisses tranquille. Ah ouais, mon gars, mais fais pas ça sur le pont, hein. Oh, ça part en agression de rue, mon gars. Non, c'est pas vrai, j'ai pas tué tous vos potes dans la base, ok? Putain, mec, elle passait celle-là. Eux, je les ai super facilement, mais lui là-haut, là, il me casse les couilles, hein. Putain. Alors, des mines, je prends. C'est des caisses, je prends aussi. Voilà. Bon, ok, là, l'infiltration, ça sert plus à rien, là, mon gars. Jusqu'à trouver une mitrailleuse. Bah, sur vos potes, les gars. Par contre, il y a vraiment le recul qui est horrible. Ah, c'est tellement drôle. Ah, attendez, là-dedans, il y a quoi? Là, voilà, feu à volonté. Comment ça, feu à volonté? Parce que moi, j'allais juste chercher le pote, le loup de votre pote. Voilà. Mec, t'as pris 14 balles! Non mais quoi, mais mec! Ok. Et pas du tout les gars, c'est juste que vous m'avez cassé les couilles, c'est tout. Vous faites pas massacrer, c'est juste voilà, fallait pas me chercher. Ok, nickel, on continue. Là, en vrai, là, je dépense abusivement mes balles, mais pour une bonne raison les gars. C'est juste que là, c'est un assaut assez violent et assez vénère. Du coup, je préfère utiliser mes balles en mode genre c'est tic-tac, plutôt que me faire pisser dessus. Ah, et en plus, on fouille des trucs. Oh, le mec vénère, s'il te plaît. Il se baladait pour cueillir sa champignon et il a croisé trois personnes. Hop là, plus personne. C'est ses champignons. Ouais, ok, donc le mec avait besoin de mec, quoi. Ça faisait 2 ans qu'il vivait tout seul, le gars, et après il est. Non, 82, ça fait 8 ans qu'il était. Oh! 8 ans, mon gars, 8 ans qu'il était là-dessus, et du coup il s'est dit, putain, je vais avoir besoin de gars. Oui, ma base, je venais fouiller, les gars. Nouvelle modification d'armes disponible, ça c'est cool. Alors, bonsoir. Non, si je peux avoir un meilleur carquois, comme d'habitude, je le répète, mais. Défendez la tour. Ça, c'est vraiment les ennemis que j'aime tuer. Tu sais, c'est les ennemis qui s'emballent un peu trop et qui partent en mode ouais, on est trop fort. Et si, les gars? Ah, ben. Hop là, des balles, des balles, des balles, des balles. Des balles, des balles, des balles, des balles. J'ai envie de prendre la crosse. Parce que le recul est beaucoup trop violent sur la. Je prendrai la crosse après. Parce que le recul est violent, mon gars. F. Non, pas ça. Ok, recharge, reload. Oh putain. C'est qui lui? Mais non!
Mais non! Esquiver, appuyez sur match pour esquiver. Oh mon gars. Oh mon gars. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ok, viens. Ah merde. En vrai, ça aurait été plus chiant s'il y avait eu ses potes. Et vu qu'il n'y a pas eu ses potes, on s'en rend. Ah, une sur deux pièces d'un arc. Ok, on reload un peu tout là, parce que là c'est la merde. Non, ça je m'en branle, ça je reload. Putain, quel bordel les gars. Ok, bon. Un petit feu de camp dans le coin là. Parce que genre j'ai pas mal tiré sur des gens. Ah, un casier à ouvrir. Bon bah ça va, hein, écoutez, petite infiltration, c'est pas mal. Et est-ce qu'il y a un feu de camp dans le coin? Ouais, je veux dire qu'il y a un feu de camp là-haut, mon gars. Il y a forcément, attendez, il y a un géocache là, quoi. Parce que je sais pas à quoi ça ressemble, du coup, genre, non. Ok, allez, allons-y. J'aimerais bien trouver un feu de camp et s'arrêter. Comme d'habitude, on est toujours à la recherche d'un feu de camp en fin d'épisode. Ah, maintenant, ça va être ça, hein. C'est genre, les fins d'épisode, ça sera toujours... Ça a toujours la galère pour trouver un feu de camp. Hop. Ah mais vu que je vais continuer après, limite on pourrait continuer. Ouais, je pourrais m'arrêter là si je veux. Ouais, eh ben écoutez, c'est ce que je vais faire. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce cinquième épisode de Tomb Raider. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 6. C'était Serma90, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un pouce bleu comme d'habitude. Allez, bye! Take a stand because we can't.